Bonjour, si vous donnez des à-coups sur la laisse quand votre chien tire, alors déjà c'est des saccades donc c'est loin d'être sympa, hein, c'est pas positif, c'est plutôt coercitif, mais si vous donnez des à-coups sur la laisse quand votre chien tire, vous tendez la laisse. Comment voulez-vous que d'un autre côté, et par ce geste-là, votre chien comprenne l'inverse, c'est-à-dire ce que vous voulez obtenir? Vous voulez obtenir que votre chien marche avec une laisse détendue. Donc si vous souhaitez que votre chien marche avec une laisse détendue, vous, de l'autre côté, ne tirez pas, ne donnez pas d'à-coups sur la laisse avec une laisse tendue, sinon c'est complètement incompréhensible pour le chien. Comment lui apprendre à marcher avec une laisse détendue? Eh bien, vous pouvez faire des aspirations, des changements de direction, amener le chien à revenir vers vous, à se recentrer sur vous avec une laisse détendue. Si vous voulez en savoir plus, je propose un programme en 12 étapes sur comment faire marcher votre chien avec une laisse détendue. À bientôt!